Bonjour à tous. Bonjour les papas, bonjour les mamans. Bonjour les enfants. Nous voici encore une fois dans le jardin de l'halte garderie côté potager. Peut-être allons-nous trouver... Allons voir ce que nous allons trouver. Alors voici l'histoire de ce soir. Quel radis, dis donc, de Praline Guépara et André Préjean. Le conte du radis arraché se rencontre principalement en Russie. Le légume récalcitrant peut être aussi bien une carotte qu'un navet ou un rutabaga. Pour Paul Loup, le roi des radis. Pour Florence et ses amis, les souris. Quel radis, dis donc ! Un papy et une mamie ont un jardin si petit qu'ils n'ont pas pu y planter qu'une seule graine de radis. Le radis grandit. Si bien qu'un jour, ses feuilles dépassent la cheminée et empêchent le soleil de passer. Il faut l'arracher, dit le papy. Il peut toujours tirer. Le radis reste bien accroché. Ils attrapent le radis. Le radis, il tire. Le papy appelle la mamie. La mamie tire le papy tire le radis. Il tire. Ils peuvent toujours tirer. Le radis reste bien accroché. La mamie appelle sa petite fille, la petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis. Il tire. Ils peuvent toujours tirer. Le radis reste bien accroché. La petite fille appelle le chat. Le chat tire la petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis. Il tire. Ils peuvent toujours tirer. Le radis reste bien accroché. Le chat appelle la souris. La souris tire le chat tire la petite fille tire la mamie tire le papy et le papy tire le radis. Il tire. Et voici le radis arraché. Le radis tombe sur le papy tombe sur la mamie tombe sur la petite fille et la petite fille tombe sur le chat. Et tous tombent sur la souris qui va dans son trou en criant. Et l'histoire est finie. Et maintenant, allons croquer le bon radis. À bientôt, les enfants. Au revoir. Thank you.